Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un combat de titans qui va opposer Braun Strowman face à MVP, pas du tout, face à Omos. Mais MVP est bien présent, mais en tant que support, que manager, que soutien, que vous voulez. Pourquoi on fait ce match? Tout simplement parce que ce samedi, enfin, c'est le jour J, le jour où vous verrez cette vidéo, eh bien, nous avons Crowd Jewel, le show en Arabie Saoudite, s'il se passe bien. Vous aurez peut-être ces vidéos et que finalement le show va pas avoir lieu parce qu'il y a quelques petits soucis qui peut y arriver là-bas par rapport à l'Iran, si je dis pas de bêtises, et une quelconque menace. Donc aujourd'hui on va faire quelques matchs. Petite précision, vu que normalement cette vidéo ce sera la première du pay-per-view, le show commence à quelle heure? À 17h. Attention, oui, ça commence tôt. Donc c'est pas 18h vu qu'on a reculé d'une heure, c'est une heure plus tôt, 17h. Pour le kick-off, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est 16h, toujours une heure avant. Après, est-ce qu'il y aura quelque chose au kick-off? Bah, pour l'instant, rien n'est vraiment annoncé au moment où je vous fais cette vidéo. Mais sans doute qu'il y aura peut-être un match qui est sur la carte, qui sera mis durant le kick-off. Voilà. Par contre, Omos est vraiment très puissant. Et c'est vrai que, bah, tu disais, Omos, qui pouvait affronter dans le roster? Bah, tu disais qu'il pouvait battre tout le monde en un contre un, vu sa carrure et tout. Bah, le fait que Braun Strowman... Voilà, maintenant, ça a tout son sens. Moi, je choisis Braun Strowman pour ce match-là. N'hésitez pas, si vous avez envie de pronostiquer, qui va gagner pour vous, d'après vous, et pourquoi, comment, etc. Et si vous voulez laisser un petit like, hein, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Merci à ceux qui le feront pour soutenir la chaîne et la vidéo. Parce que moi, je vous dis, voilà, premier pay-per-view de Braun Strowman, faut le faire gagner, enfin, depuis son retour, bien sûr, hein, vous l'avez bien compris. Et Omos, j'ai l'impression que le projet, il est... voilà, ils ont compris que c'était... c'était pas ouf, voilà, et même le public et tout ce qui va avec, c'est... la sauce ne prend pas vraiment, donc autant donner du power-up à Braun Strowman, c'est une bonne chose. Après, attention, on a MVP, bon pour l'instant MVP tout va bien, il nous embête pas, mais on sait jamais, toujours regarder d'un petit œil par-ci par-là. Alors par contre nous sommes pas un Crowd Jewel, je me suis pas pris la tête à récupérer... la map au niveau de la création. On est à King of the Ring. Voilà, il y a des couronnes. Le roi. Voilà. On est bien comme ça. Ne nous prenons pas la tête. Et il me semble qu'aujourd'hui, bah, ce samedi, pour le... nous aurons 4 vidéos, je pense. Celle-ci, le match Bobby Lashley, Brock Lesnar. Bien entendu, Roman Reigns face à Paul. Et un match féminin. Peut-être le match qui va opposer Bianca Belair et Bayley. Sans doute. Par contre, bah, j'ai dit, hein, MVP, il est venu nous embêter. Et en plus, on vient de prendre le spécial. Ne vous inquiétez pas, simplement un. Je vous entends crier dans le public, là. Et vous aussi, chez vous, criez. Enfin, ça dépend à quelle heure vous verrez cette vidéo. Parce que si vous le regardez tard, bah, faut pas crier. C'est la journée. Faites-vous plaisir. C'est quasiment la rentrée, parce que dans 2 jours, on se bat sur ça. Par contre, MVP qui a lâché ceci... alors que nous sommes dans un single match, c'est pas bien. Voilà, je la dépose là. Tranquillou, tout va bien. MVP s'est dit, voilà, mon petit poulain, celui pour qui je suis, enfin, pour qui je suis venu, etc. Il est là, présent, ok. Sauf que non, ça se passera pas comme ça. Regardez-moi ce buffle! Voilà! Alors, les mains en l'air, c'est qui le plus puissant? C'est Braun Strowman, bien sûr. C'est lui, personne d'autre. Alors, petite descente du coude. Je vais pas refaire une deuxième. Non. Voilà. C'est moi ou il a... c'était un coup de poing plus aveuglant que destructeur. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. J'ai tenté de faire le spécial, sauf qu'il est pas du tout passé. Un peu trop lent. Oh, en plus, il met sa chaussure sur moi. T'as cru que j'étais un paillasson de bienvenue. Je vais te le faire regretter. Je le dis tout de suite. Non. Non. Au secours. Allez. C'est mes aisselles qui sont ici. Hein. Tu sais que normalement, on n'a pas à taper dedans. C'est pas en tapant que les poils ils vont rentrer à l'intérieur. Non. Respecte-moi, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, Braun. Et tu termines par le spécial, bien sûr. Et ça va nous donner 3 finishers.
Et ça, c'est beau. Magnifique prise, bien joué. Voilà, petit sac de patates, comme à l'usine. C'est ça qu'on veut. Il y habite tout son corps, toute son âme, toute sa joie, tout ce que tu veux. Vas-y, envoie-le au coin. Mets-le bien, tranquillement là. Vas-y. T'es prêt? Parfait, ça c'est ce qu'on veut. Enfin, tu sais quoi? Vu que c'est ce qu'on veut, on tente le tomber. On a trois finishers, mais à quoi bon faire un finisher sur une personne qui est déjà à moitié... Ah, à moitié terminée. Peut-être moi qui l'ai un peu trop sous-estimé. Mais cette fois-ci, t'inquiète même pas. Je ne veux pas te sous-estimer. On va placer un finisher tranquillement, tu vois. Voilà, tellement tranquillement qu'on se fait contrer. Attention, parce que comme ça, à jouer au fou, ça peut aller vite. Surtout qu'il a récupéré, encore une fois, un spécial et un finisher pour le contre qu'il a effectué. Monsieur l'arbitre, poussez-vous, s'il vous plaît. Et MVP, fais gaffe. Parce que je te vois venir, depuis tout à l'heure, le plus gros danger, c'est MVP. Je connais la foublardise. Oui, foublardise. Ah mais ça fait deux fois qu'il me le contre. À un moment donné. Attends, reprends des forces. Ah c'est ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un Braun Strowman. Ah, voilà. Mais non, mais encore. Mais c'est pas possible. Mais non. Il me copie. Au secours. Tiens. Voilà, le chassé-croisé. Comme je l'ai dit, la fin des vacances. Non, jamais. Ouais. Et c'est bien, on a un combat de grands gaillards. C'est ce qu'on a envie de voir, justement. Bouge pas. Ouais, c'était peut-être trop demandé de pas bouger. Ça peut potentiellement re-break si il daigne mettre sa main à 2 cm, il a pas envie. Oh c'est pas mal ça, oh c'est pas mal. Oh c'est pas mal. Là il peut plus rien faire. Bah oui, il est paralysé. Boum. Finisher. Ensuite, on va le punir une deuxième fois, moi je vous le dis. En conclusion, c'est une soumission. Bah pourquoi pas, eh. Le punir en soumission, c'était pas prévu. Mais voilà. Homos soumis avec le joli non-focus sur l'arbitre. J'espère que ce match et que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour les autres matchs du pay-per-view. Et puis sinon, bah je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.